Alors bonjour, je vais vous montrer comment économiser de la batterie sur son iPhone 4S. Donc pour ça là, alors on va commencer par le service de localisation. Donc vous allez commencer par désactiver les applications que vous n'utilisez pas. Donc voilà, les applications qui ne vous intéressent pas de localiser, vous les désactivez. Alors vous désactivez ça, vous allez dans service système et là-bas vous pouvez désactiver les trucs qui vous intéressent pas, iAd, comme ça. Voilà, alors vous désactivez des services de localisation. Alors ça c'est la première astuce. Une deuxième astuce, vous allez dans la luminosité et vous baissez la luminosité. Elle est haute, alors vous essayez de la baisser vers le bas. Ensuite, vous désactivez le Bluetooth s'il est activé. Donc, hop, le Bluetooth, moi, vous désactivez, alors vous désactivez. Ça économise beaucoup la batterie. Alors, vous pouvez verrouiller votre iPhone ici, verrouillage auto. Donc, vous le mettez à 1-2 minutes. Une minute, c'est le mieux. Donc, ouais, je vais le mettre à 2 minutes. Vous pouvez aussi les mails, vous pouvez, voilà, donc les mails, je vous conseille de, alors attendez, le push, alors, il faut régler ça, alors c'est là. Donc je vous conseille de mettre manuellement. Au moins manuellement, c'est dès que vous ouvrez, ça va se charger pas tout seul. Pas toutes les 15 minutes, des trucs comme ça. Alors vous avez aussi le spotlight. Donc alors, je crois que c'est par là. Voilà. Donc là vous désactivez les choses qui vous intéressent pas. Voilà, podcast, vidéo, livre audio, notes. Enfin, comme ça. Et voilà, donc là, vous aurez économisé beaucoup de batterie. Ainsi, je requiers un autre truc avec Siri. Ça économise de la batterie si vous désactivez ça. Et si vous voulez encore plus économiser de la batterie, je vous conseille de le désactiver complètement. Voilà, au revoir.